décédé pour raison des soins de santé, Jean-Claude Wemba avait reçu une autorisation de sortie pour l'Europe pour les soins de santé. Et Denis Essanga, une autorisation de sortie pour l'Europe. Mais concernant Eve Bazaliba, j'avais exigé la preuve. Puisqu'il n'y avait pas de preuve, je n'avais pas signé cette autorisation de sortie. Donc, pour votre information, il a été constaté depuis le vendredi 11 décembre 2015 un balai d'une trentaine de politiciens congolais et d'activistes de la société civile choisis en raison de leur hostilité aux institutions de la République, partis pour les uns de Kinshasa, de l'Afrique, et pour les autres de l'Europe vers Dakar au Sénégal, à la rencontre des délégués des mouvements dont la nature insurrectionnelle est notoirement connue, Yanama, Palais Citoyen, Philippe et Lucha. Il ressort que sur invitation de fondations, Conrad Adenauer, Stiftung et Fourdier Ressus et Ventus de l'Afrique du Sud et de l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, le Pacifique, l'Afrique et les Caraïbes à des parcs basés en Belgique et grâce à une logistique étrangère diversifiée, les 10 politiciens et activistes congolais sont regroupés pour un séminaire d'endoctrinement organisé à leur attention à l'Institut de Gorée dans la villa Malolo 6, numéro 1, rue du Jardin, sur l'île de Gorée, à Dakar, au Sénégal. Réflexion sur les meilleures voies et moyens pour un soulèvement populaire en République démocratique du Congo. Constitution d'un fonds anti-dialogue, mise sur pied des structures subversives, obtention des moyens financiers au fin des actions de déstabilisation. Et donc toute liberté est aussi réglementée dans l'intérêt de la collectivité. Et donc à chacun de se poser la question s'il est normal, en pleine session, de solliciter une autorisation de sortie pour aller se rencontrer avec des ONG sur une terre étrangère. C'est à chacun de se poser cette question et de répondre. Mais en tout état de cause, votre bureau tient au respect des droits fondamentaux, il les respectera, mais nous en profitons pour vous dire qu'il y a toujours des limites pour l'intérêt de la collectivité. Contrairement au thème déclaré par les organisateurs, à savoir les élections et le processus démocratique en Afrique subsaharienne, défis et enjeux, fin des citations, des renseignements recueillis indiquent que ce forum ne concerne que la République démocratique du Congo. Le choix des invités opéré par les parrains, exclusivement dans les milieux des radicaux contre le pouvoir, c'est le point de vue de ceux qui ont évalué, tant dans l'opposition politique que dans ceux civils de la RDC, ainsi que les facilités des visas et accueils accordés à ceux-ci par le gouvernement sénégalais, dans un contexte où se prépare en RDC le dialogue politique national inclusif, atteste l'existence d'une synergie d'action, entre parenthèses complot, visant la déstabilisation de la nation et de l'État. Après l'expulsion en mars 2015, territoire congolais, des activistes sénégalais de Yanama et Burkinabé et des Palais Citoyens pour activités subversives à travers le financement apporté de Philippe en RDC grâce à la vigilance de nos services, le fait pour le Sénégal d'apporter sur son territoire ce séminaire uniquement destiné aux politiciens congolais de l'opposition, aucun et alors aucun de la majorité, en présence des mêmes activistes expulsés de la RDC, dénonce une complicité manifeste et un comportement inamical du Sénégal, sinon son hostilité vis-à-vis de la RDC.